Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes vendredi 29 janvier. On m'a dit que ma vidéo n'avait pas d'introduction ni de conclusion, alors la voilà. Je viens de publier sur mon compte Instagram la photo avec une vidéo YouTube que j'ai mis en bio. Ça y est quoi, finaise. Après on va dire c'est peut-être pas forcément très objectif, mais les potes qui l'ont vu m'ont dit que c'était cool, donc ça me rassure. De toute manière j'avais vu une phrase sur TikTok qui disait que, et en fait elle est tellement vraie, que tu te feras jamais critiquer par celui qui fait plus que toi, mais par celui qui fait moins. Et je trouve ça tellement vrai. Tellement, tellement vrai. Je suis trempée, je viens de finir ma séance sur Zwift. Je fais l'entraînement, je sais plus si c'est 4 ou 5 semaines FTP Builder, je crois que c'est un truc comme ça, pour augmenter la FTP. D'ailleurs, pas mettre comme ça. D'ailleurs, j'avais une FTP parce qu'en gros, pour embobiner, j'ai acheté mon home trainer pendant le premier confinement, donc fin mars, voire même avril, je crois. Et je tournais à les 135, je crois, et je crois qu'il y a 2 semaines. Passé de 135 à 189, je douille. Et d'ailleurs, je vous en ai parlé sur Instagram hier. Je vous parlais la semaine dernière de ma course de ski de fond. Là, que la course était annulée pour des raisons sanitaires. Franchement, je m'en doutais. C'est plus mal pour moi parce que franchement, quand je vois ce que je fais en ski de fond les week-ends, je me dis que 25 km ça aurait été juste l'enfer et que j'aurais pas du tout pris de plaisir. On est vendredi 29 janvier, une semaine un colis, et là j'ai commandé chez Nutri, j'ai jamais goûté, et du coup là avec les soeurs je me suis dit ben oh putain il y a un truc qui a du sourire, et du coup ben, je vais tester fit pancake, fit pizza, fit bread. J'ai acheté plein de barres. Ah putain mais elles sont énormes. Ah mais ah ouais, c'est une balèze. Ça c'est quoi? Fit protein crème. Ah oh, j'ai trop hâte. En plus là, c'est la chandeleur qui arrive. Hello, je suis en maillot de bain. Je me prépare à aller à la piscine. Je suis pas en retard, mais je suis pas non plus en avance. Et je suis en train de discuter avec Florian du coup pour les borner, voir ce qu'on fait. Du coup, on annule bien et on remplace par une session sur Zwift. Donc je vais essayer de publier tout ça avant d'aller nager, hein, 10h30 dans les bassins, il est 10h tout pile. Allez, c'est parti. Hello, on est dimanche 31 janvier, là je suis prête, mes skis sont par terre et c'est parti pour le biathlon ce matin. Je pense que cet après-midi, j'ai pas pris mon snowboard pour faire comme la semaine dernière parce qu'il fait vraiment pas beau, donc s'il me reste des forces, j'aimerais bien aller courir, ça fait longtemps, donc voilà. Là, je suis en train de ranger mes affaires de ski. Et du coup, on a fini le biathlon là ce matin. Franchement, ça c'était trop cool. Et je me dis que je kifferais faire ça, prendre peut-être une licence, aller au tir et tout. Je sais pas, c'est une idée qui me trotte dans la tête, on verra.
Quand je suis retournée sur Aix, il y avait un soleil de fou. Et mon binôme déborné, Florian, m'avait envoyé un message là juste avant que je parte la FECLA. Comme quoi il allait rouler. Et du coup je me suis dit, ah mais non, il fait trop beau, faut aller rouler. Ici, je suis bien rentrée du vélo, je suis toujours en tenue, je ne suis pas encore allée me laver. Je suis rentrée, j'ai fait du ménage, super. En tout cas, la sortie vélo était trop cool. Genre, on a fait quand même pas mal de plats et j'ai pu bien tester mes prolongateurs et genre, j'en suis trop contente, vraiment trop contente. Trop contente de mon week-end, genre comme on les aime. Là, il me reste à faire la vaisselle, ma gavelle de demain. Faire le montage, mais j'ai déjà fait le plus gros samedi, donc je vous dis à bientôt.